J'aime les paroles spécifiques de Dieu. Je me souviens, je l'ai déjà raconté, j'allais dans mon église locale un dimanche matin et le Saint-Esprit me parle, c'était une des premières fois qu'il me parlait aussi fortement. Il me dit « Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. » Pas habitué à entendre sa voix, mais convaincu que c'était lui. Je résiste un peu, sachant qu'il était tard. Et le Saint-Esprit me parle à nouveau « Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. » Sachant où il habitait, je le rejoins. Il y a une place de disponible dans sa maison pendant qu'ils font le culte et elle se trouve à côté de Michael Lebeau. C'était il y a maintenant, je crois, environ 15 ans. Cette parole spécifique a transformé et dirigé toute ma vie. Quelque temps auparavant, Dieu m'a donné une autre parole spécifique alors que j'étais rétrograde avec une fille et Dieu m'a dit, comme je vous l'ai partagé il y a quelque temps, je vais te donner quelqu'un, elle sera différente de tout ce que tu as connu et elle aura un nom que tu n'as jamais connu. Je n'avais jamais connu d'Asiatique, jamais eu une amie qui s'appelait Annabelle et elle était très différente. Cette parole spécifique a transformé ma vie. Et d'ailleurs, dans 3 jours, c'est notre anniversaire de mariage pour nos 14 ans. Gloire à Dieu. Je t'aime, ma chérie, tu es merveilleuse. Tu es glorieuse. Oui, oui, tu es vraiment merveilleuse. J'aimerais mettre toute l'attention sur toi aujourd'hui. Car tu en es digne. Attends, j'ai un poème. Annabelle. Non, c'est pas vrai. Voilà, les femmes étaient contentes et les hommes, ils commençaient à rougir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur de mettre à nos côtés des gens qui ne nous font pas reculer par rapport aux paroles spécifiques de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour mon épouse merveilleuse, parce qu'elle n'a jamais été là pour résister à l'appel de Dieu, mais toujours là pour m'encourager dans les paroles spécifiques que Dieu m'a données. Alors dans ce message sur les paroles spécifiques, on ne va pas parler directement de comment entendre la voix, même si je vais donner quelques indications par rapport à ça. On parlera pas seulement des paroles qui s'appliquent à une chose en particulier, mais également à la volonté spécifique de Dieu pour nous. Quand je veux partager sur les paroles spécifiques, c'est donc ce qui nous est spécifique, particulier à nous, des indications que Dieu nous donne pour aller quelque part, pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Et on va répondre à quelques questions. Par quel moyen Dieu nous parle spécifiquement? De quelle façon Dieu nous confirme une parole spécifique? Que faire lorsque nous recevons une parole spécifique de Dieu? On va voir rapidement 5 personnes qui ont reçu des paroles spécifiques de Dieu, mais qui ont écouté des hommes malgré les paroles qu'ils avaient reçues. Et on verra ensuite que faire si on vous donne une parole contraire à celle que vous avez reçue. Et pour terminer, que faire si vous reconnaissez qu'on vous donne une parole qui vous encourage à désobéir à celle que vous avez reçue de Dieu. Voilà, donc Dieu peut nous parler pour un ministère, Dieu peut nous parler pour un service, Dieu peut nous parler pour les choses de la vie courante, naturelle, pour une maison, pour l'achat d'une voiture. Dieu peut nous parler à propos de certaines choses qui vont durer longtemps, d'autres qui vont être ponctuelles, qui vont durer un instant. Par exemple, on peut être dans l'adoration, et là, vous ressentez par le Saint-Esprit que vous devez vous mettre à genoux. Et là, automatiquement, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez la peur de l'homme, vous allez commencer à penser aux gens qui sont autour de vous, et vous n'allez pas le faire, vous allez passer à côté d'une grâce de Dieu. Ça, c'est une parole spécifique que Dieu peut vous donner. C'est très court. Ça dure un instant. Par contre, il y a des paroles comme celles que je viens de partager qui ont une durée jusqu'à la fin de la vie. Ça dure longtemps. Les paroles spécifiques de Dieu, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient durables, ont une grande importance. Parce que même si les paroles ponctuelles de Dieu, comme on peut recevoir un don spirituel, vont être très courtes, très rapides, le fait de désobéir à ces paroles spécifiques vont finalement nous amener à être entraînés dans un mouvement, un flot de désobéissance à la voix de Dieu et vont nous empêcher d'entendre clairement ce que Dieu veut nous dire dans les paroles spécifiques de nos vies, des directions dans nos vies. C'est pourquoi il est important d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Dieu nous parle de manière spécifique.
Pierre a rappelé les paroles du prophète Joël en disant que dans les derniers temps, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair. C'est ce que nous avons vécu quand nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit a été répandu en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et il a dit que eh bien, les fils, les hommes, les femmes, même les servantes et les vieillards, ils manifesteraient certaines choses. Entre autres, ils prophétiseraient. Ils auront des visions, ils auront des songes. Dieu peut nous amener, nous parler, nous donner des indications spécifiques à travers la prophétie, à travers des songes, à travers des visions, à travers sa parole. Alors, par quel moyen Dieu nous parle spécifiquement? Dans Psaume au chapitre 32, au verset 8, Dieu dit, je vais le lire pour vous, « Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. » Dieu dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ nous a envoyé, le précieux Saint-Esprit, pour nous conseiller, pour nous instruire, pour nous indiquer le chemin à suivre. Alors, par quel moyen Dieu nous parle spécifiquement? Premier moyen, par sa parole écrite. La Bible déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, bien sûr la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » La parole écrite de Dieu va nous donner des indications spécifiques dans nos vies personnelles lorsque le Saint-Esprit confirmera certaines choses dans nos cœurs. Deuxièmement, par sa parole audible. Dieu peut parler d'une façon audible. Certaines personnes l'ont entendu de façon audible. Parfois, on peut entendre Dieu nous parler tellement fortement qu'on a l'impression que quelqu'un nous a parlé d'une manière concrète, naturelle. C'est une des façons avec laquelle Dieu peut nous parler. Bien sûr, c'est assez rare. Par contre, Dieu peut nous parler par sa parole révélée dans l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très courant. Nous pouvons méditer la parole de Dieu. Nous pouvons être en train de faire quelque chose de tout à fait naturel. Et Dieu nous parle avec une parole révélée dans l'esprit, une révélation soudaine et souvent inattendue qui est déposée sur nous sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. On peut être en train de méditer la parole et tout à coup un verset de l'Écriture est révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Dieu nous te dit « c'est pour toi ». Je me souviens lorsqu'il y a bien des années maintenant, quand on était encore en France, en Bretagne, j'aspirais à faire une école biblique et alors que je méditais la parole, le Saint-Esprit m'a parlé à travers un verset des Écritures dans les Actes des Apôtres, où il est écrit que les apôtres ont mis à part une année, et pendant cette année, ils enseignaient dans l'église locale, et ils étaient là, dans cette église, pendant une année, affermissant les frères. Quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a dit, révélé, j'ai su dans mon esprit que je devais moi-même rester dans mon église locale pendant une année, à servir Dieu auprès du pasteur que Dieu m'avait donné, auprès des frères et des sœurs, et que je devais m'investir et apprendre pour moi-même. C'était une indication spécifique de Dieu pour moi. Et comme le dit parfois Annabelle, si en étant mariés, nous avions été dans cet institut biblique, ça aurait été très difficile pour nous et très difficile pour elle, parce que cet institut biblique était un pressoir à huile. Dieu peut aussi nous parler par sa parole dans la bouche de quelqu'un. Alors, Dieu peut parler à travers un ange, Dieu peut parler plus couramment à travers un frère ou une sœur, Dieu peut parler aussi par un prophète ou par le simple don de prophétie, Dieu peut même parfois parler par des incroyants, et encore plus rarement, par un âne. Donc, Dieu a multiples façons de nous parler, et comme on l'a vu, par tout ce qui est aspect des prophéties, des visions et des songes. Par contre, je vais vous donner quelques règles pendant cet enseignement. Une règle, c'est que les trois derniers moyens, donc la parole audible de Dieu, la parole révélée dans l'esprit, la parole qui est donnée par la bouche de quelqu'un, ces trois moyens doivent toujours être confirmés par le premier, qui est la parole écrite. Ça veut dire que si même un ange venait vous enseigner quelque chose, mais que la parole écrite vous dit le contraire, vous ne devez pas accepter cette parole. Si quelqu'un dans l'église vient vous enseigner, vous appeler, vous dire « voilà, Dieu t'appelle à faire ceci, à quitter ta femme pour épouser une autre », eh bien vous allez dans l'Écriture, regardez, est-ce que c'est biblique? Voilà une règle toute simple. Alors, est-ce que Dieu nous parle par des circonstances? Non.
Mais dans les circonstances, Dieu peut utiliser l'un de ces quatre moyens pour nous parler. Et se baser sur les circonstances dans nos vies est le meilleur moyen d'être confus. Les gens confus sont les gens qui se basent sur les circonstances. Il fait beau, Dieu est avec moi. Il pleut, Dieu n'est pas là. Je ne sens pas la présence de Dieu, Dieu est fâché avec moi. Je sens la présence de Dieu, Dieu est content après moi. Ça, c'est les circonstances. Par contre, on va voir que Dieu peut utiliser des signes pour nous confirmer qu'il est avec nous. Donc, de quelle façon maintenant Dieu nous confirme une parole spécifique? Alors, largement dans sa parole, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus a parlé à propos du Saint-Esprit. Il a dit que le Père l'enverra en son nom et il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est l'enseignement général de la parole de Dieu. C'est la parole que nous entendons, que nous lisons, que nous méditons. C'est même la parole que je suis en train de vous prêcher en ce moment. La parole générale de Dieu. Maintenant, Dieu va nous parler spécifiquement à travers la voix du Saint-Esprit. Jésus dit du Saint-Esprit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, etc. Mais aussi, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, ce n'est pas l'Apocalypse. Ça a déjà été écrit. Par contre, dans ma vie personnelle, j'ai besoin de savoir quelles sont les choses à venir. Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que je dois faire dans un an? Qu'est-ce que je dois faire dans 10 ans? J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie et des indications spécifiques de Dieu pour savoir à quoi Dieu m'appelle demain et peut-être même aujourd'hui. On peut avoir confiance dans la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir confiance en la voix du Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, et au verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'apôtre Paul parle ici d'une situation où nous recevons une indication de la part de Dieu qui n'est pas venue avec quelque chose qu'on a vu, avec quelque chose qu'on aurait entendu, ou avec quelque chose qui serait monté dans notre propre cœur, nos raisonnements. Mais il dit ici que ça vient d'une révélation par le Saint-Esprit. La révélation est soudaine, et lorsque Dieu nous parle, spécifiquement, ce n'est pas le fruit d'une réflexion humaine. Lorsque Dieu nous parle, la parole de Dieu n'est pas le résultat d'un raisonnement humain. Mais la parole spécifique de Dieu, elle s'impose à nous. Par contre, on peut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, bien sûr. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et là, on va méditer la parole de Dieu. Quand on va méditer la parole de Dieu, quand on va prier, on va recevoir à ce moment-là une parole révélée dans l'Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui nous le dira, même si on va voir que Dieu peut parler à travers quelqu'un. Mais dans l'Esprit, même si quelqu'un nous parle, nous savons que cette parole est pour nous. Alors, que faire lorsqu'on reçoit une parole spécifique de Dieu? Quand on reçoit une parole spécifique de Dieu, la première règle, c'est que cette parole doit s'accomplir. La Bible déclare qu'à propos de Moïse, qu'aucune des paroles qu'il a données est restée sans effet. Samuel était là et la Bible déclare qu'il ne faisait pas tomber une seule de ses paroles. À propos de Marie, on dira aussi qu'elle serrait la parole de Dieu dans son cœur. La parole de Dieu spécifique qu'il vous a donnée doit s'accomplir, et d'ailleurs il est derrière sa parole pour l'accomplir, mais lorsqu'il nous parle spécifiquement, c'est en accord avec notre propre obéissance. Dieu nous parle spécifiquement, et quand il nous parle spécifiquement, cette parole doit s'accomplir. Je me souviens d'une amie qui disait que pendant plusieurs dimanches, alors qu'elle allait dans son assemblée locale, Dieu lui avait dit d'aller prier pour un homme qui était en fauteuil roulant. Elle ne l'a pas fait la première semaine, elle ne l'a pas fait la deuxième semaine, et finalement, des mois après, elle a amèrement regretté parce que le Saint-Esprit était sur elle à ce moment-là pour apporter une grâce à cette personne qui était là, malade. Et on ne peut avoir que le regret quand nous recevons une parole spécifique de Dieu. Je me souviens, dans une église où j'étais à Montréal, un homme s'est avancé pour la prière, et pendant que je priais pour lui, une parole révélée s'impose à moi et me dit « Prie pour sa jambe gauche ». Et là, le raisonnement a commencé je me suis dit, oui, mais s'il n'a rien à sa jambe gauche, ça fait bizarre. Ça nous est tous arrivé. Je laisse cet homme et je prie d'une manière générale. Je vois cet homme et il repart en boitant de la jambe gauche. Et là, vous savez, le regret. Et parfois, la grâce n'est plus là. Les dons spirituels, ça fonctionne comme ça. C'est une grâce ponctuelle qui vient sur vous. Lorsque le temps est passé, la plupart des temps, c'est terminé.
Si vous recevez une grâce, par exemple, pour opérer un miracle, donc c'est le don d'opérer des miracles qui est sur vous, vous recevez une parole spécifique par rapport à ça, si vous passez ce moment-là, la grâce ne sera plus sur vous à ce moment-là, au moment plus tard. Donc il est important d'obéir. La parole de Dieu dit, Jésus parlera de deux hommes, de deux fils à qui le Père a parlé. Il a dit, allez travailler aujourd'hui dans ma vigne. Le premier fils dit, oui Seigneur, j'irai, oui papa, j'irai. Et il n'y est pas allé. Le deuxième a dit, j'irai pas, mais par contre, il y allait. Et Jésus a dit, lequel des deux a fait la volonté du Père ? C'est celui qui a dit au départ, je ne veux pas aller, mais finalement, il a été. Donc, il est important d'obéir aux paroles spécifiques de Dieu. C'est très important. Et de savoir que Dieu nous parle. Maintenant, que faire quand on reçoit une parole spécifique de Dieu ? On a dit, il faut qu'elle s'accomplisse. Il y a des choses que Dieu vous dit dans vos vies personnelles, dans le monde du travail, dans le monde de l'esprit, des choses spirituelles, dans le monde naturel, dans le monde des finances. Dieu nous parle. Parfois, Dieu peut faire sortir quelqu'un des dettes en une seule parole révélée dans l'esprit, une parole de sagesse. Dieu te dit, par exemple, ne fais plus ceci. Ou Dieu te dit, par exemple, tu devrais investir là-dedans. Ce sont des paroles spécifiques. On a un Dieu merveilleux. Il a dit qu'il prendrait soin de nous. Maintenant, il nous donne des paroles spécifiques pour prendre soin de nous. Comme on pourrait dire à un enfant, ouvre le frigo et serre-toi ce matin parce que je ne serai pas à la maison. Et une parole spécifique, l'enfant devra se servir lui-même à manger. Dieu nous parle d'une manière spécifique. Il dit, oui, je prends soin de toi, c'est une réalité. Maintenant, il nous donne des paroles spécifiques et on doit les accomplir. Donc, quand Dieu nous parle, on devrait méditer sur cette parole. Je parle ici pour, par exemple, une direction. Si c'est un don spirituel, il n'y a pas vraiment de quoi méditer, si ce n'est de savoir si c'est en conformité à la parole. Mais dans les paroles spécifiques de direction dans nos vies, on devrait commencer à méditer sur ces paroles. Ça peut être des visions, des songes, on l'a dit, plusieurs moyens que Dieu utilise pour nous parler. On peut se poser la question, Seigneur, c'est pour quand ? Seigneur, c'est avec qui ? Les deux paroles que je vous ai données, que ce soit pour Annabelle ou pour Michael, eh bien, il y avait des gens qui étaient associés, bien sûr, à cette parole. Seigneur, que devrais-je faire pour accomplir cette parole ? Il y a des choses à faire quand Dieu nous parle spécifiquement. Et quand vous recevez une parole, ne rejetez pas la parole de Dieu derrière vous, comme beaucoup de gens dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau et dans la Nouvelle Alliance, et comme beaucoup de gens qui nous entourent, mais prenez la parole de Dieu et serrez-la dans votre cœur comme Marie. Même si ça a l'air bizarre, même si ça a l'air fou, même si ça a l'air surhumain, même si ça a l'air de vous dépasser, prenez cette parole. La Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Alors quand vous recevez une parole, vous pouvez voir un conseiller, mais en sachant, et ici c'est une règle que je vous donne, c'est que le nombre de conseils qu'on peut vous donner, aussi grand soit-il, ne pourra jamais vous amener et ne devrait jamais vous amener à l'opposé de la parole que vous avez reçue de la part de Dieu. Ici, dans cet enseignement, je ne vais pas vous partager comment on peut être sûr que Dieu nous a parlé, mais le fait que vous avez reçu une parole spécifique de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Donc, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est la base. Les gens peuvent nous conseiller après, mais tout doit être basé sur la crainte de Dieu. Et ça nous évitera des erreurs. Donc, on va voir 5 personnes qui ont reçu des paroles spécifiques de Dieu, mais qui ont écouté des hommes malgré la parole qu'ils avaient reçue. Et là, vous pouvez venir avec moi dans 1 Roi, si vous voulez, au chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11. Je vais vous résumer un peu l'histoire de ces personnes pour aller plus vite, mais vous pourrez noter les références. On va aller de 1 Roi, chapitre 11, au chapitre 13, essentiellement. La première personne, c'est Salomon. Alors, Salomon, on peut lire au verset 10, il est écrit, Dieu lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observait pas les ordres de l'Éternel. Dieu avait parlé dans la loi, Dieu avait parlé par les prophètes, mais ici, Dieu a donné une parole spécifique à Salomon. Pourquoi ? Parce que Dieu sait les choses à l'avance. Il dit à Salomon d'une manière personnelle, ne va pas te rallier à d'autres dieux. Il lui parle à l'avance. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Et son problème à Salomon, c'est qu'il est entraîné par des femmes. La Bible dit qu'il a construit la maison de Dieu, il a construit sa propre maison, et il avait un grand problème, c'était les femmes. C'est un grand problème puisqu'il en a eu 1000.
700 femmes et 300 princesses, ou l'inverse, 700 princesses et 300 concubines. La Bible dit que les femmes détournèrent son cœur, c'est normal. Quand tu as 1000 personnes autour de toi et que tu es dans une atmosphère de chair, c'est normal qu'au bout d'un moment, c'est une répercussion sur toi. L'environnement, c'est très important. Les personnes qui nous conseillent, les personnes avec qui on passe du temps, c'est vraiment important. Et la Bible dit qu'au bout d'un moment, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur vers les idoles. Et qu'est-ce que va faire Salomon, qui pourtant a écrit de puissants principes ? Cet homme va commencer non seulement à offrir la possibilité d'adorer des idoles, mais va lui-même commencer à adorer des idoles et à plonger lui-même et tout son pays dans l'idolâtrie, entraîné par des femmes. Mais le problème qu'il avait, lui, c'était la convoitise, c'était aussi la débauche. Ces choses dans sa vie ont fait en sorte que, malgré la parole spécifique que Dieu lui avait donnée, les problèmes dans son caractère, dans son âme, dans ses pensées, et le fait d'avoir été entraîné par des gens, ici c'était des femmes, l'ont amené à chuter. Alors lui, ça a été une chute tardive. Ça veut dire qu'il a marché avec Dieu pendant longtemps, mais au bout d'un moment, il est tombé. C'est pourquoi il est important de veiller. Il est tombé quand il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, il s'est reposé. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas su gérer sa retraite. Il y a des gens, ils ne savent pas gérer leur retraite. Ils ne savent pas gérer les après le combat. Ils travaillent de tout leur cœur et quand vient le temps du repos, ils se reposent, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour t'endormir. Et la Bible dit, la pauvreté te surprendra. Il y a certaines paroles spécifiques que Dieu donne à l'homme qui ne sont jamais réalisées par paresse, par désintérêt ou par mépris des choses de Dieu. La Bible dit par exemple de Pharaon, Pharaon s'en retourna, il alla dans sa maison, il ne prit même pas ces choses à cœur lorsque Moïse va lui parler. Voilà l'exemple de quelqu'un qui reçoit une parole spécifique de la part de Dieu, mais qui ne prend pas à cœur la parole qu'il a reçue, Pharaon. Jésus va parler d'un maître qui va appeler ses serviteurs, il va donner à chacun selon sa capacité plusieurs talents. On sait que celui qui n'en a reçu qu'un va creuser dans la terre et il va cacher son talent. Maintenant, le maître va arriver au bout d'un moment, il va demander « qu'est-ce que tu as fait de ton talent ?» Il va leur faire rendre compte. Il n'y a rien, et c'est une règle, il n'y a rien que Dieu nous demande d'accomplir que nous ne pouvons pas accomplir. Quand Dieu a parlé d'une manière spécifique, cela veut dire que nous pouvons faire ce qu'il nous a dit. Voilà un des exemples, Salomon, entraîné par des femmes, après avoir beaucoup travaillé, une chute qui s'est passée non pas tout de suite, mais au bout de bien des années, et qui l'a amené finalement, au bout d'un moment, avec son influence, à tomber. Maintenant, il y a un autre homme, un peu plus loin, et c'est Roboam. La Bible en parle au chapitre 12. Et la Bible dit que Roboam s'est rendu à Sichem, parce que tout Israël était venu pour l'établir comme roi. Et il va prendre conseil auprès des anciens, parce que c'est un nouveau roi, par rapport à quelque chose que le peuple va lui demander. Le peuple va lui demander d'alléger le joug que son père avait fait peser sur lui, sur eux. Et Roboam va aller voir les anciens, ceux qui étaient là avec son père, des hommes d'expérience, et il va leur poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont dire, allège le joug de dessus le peuple et tu pourras régner pendant longtemps. Maintenant, il va voir ses amis d'enfance et ses amis d'enfance vont le conseiller d'une manière totalement opposée et vont lui dire, non, non, tu ne vas pas alléger le joug, mais tu vas rendre le joug encore plus dur parce que ton petit doigt est plus gros que les reins de ton père. Et ici, on voit que s'il n'avait pas transgressé, s'il avait obéi au principe que lorsque Dieu parle et que quelqu'un d'autre te donne une parole contraire, tu ne devrais pas obéir à cette nouvelle parole, mais à celle que Dieu t'a donnée, il ne serait pas tombé, il n'aurait pas échoué. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va écouter ces jeunes qui étaient avec lui, qui ont grandi avec lui, et
au moment de parler au peuple et de leur dire maintenant, voilà, mon doigt est plus grand, plus gros que les reins de mon père, les gens vont commencer finalement à se révolter contre lui et il va tout perdre à cause d'une mauvaise indication. On peut parfois tout perdre à cause d'une mauvaise indication. Lui, son problème, c'était l'orgueil. Il pensait qu'il pouvait régner. Il pensait qu'il pouvait dominer. C'est aussi un peu... Il était un peu simple, un peu trop simple, simplet. C'était un des problèmes dans sa vie. Et il aurait dû obéir à la parole qui nous dit qu'on devrait honorer nos parents. Et ici, ce qu'on lui a dit de répondre, ça allait totalement à l'opposé de la parole de Dieu. En fait, il méprisait son père. Et la loi était très claire par rapport à ça. S'il avait obéi, il aurait pu réussir dans la promotion que Dieu lui avait donnée. Cet homme, c'est pas pareil que Salomon. Salomon n'a pas su gérer les temps de repos, la retraite. Lui, Robam, il n'a pas réussi à gérer la promotion que Dieu lui a donnée. Parfois, Dieu nous donne des promotions. Ça peut être dans le cadre du travail. Ça peut être dans l'esprit, dans les choses spirituelles. Il y a des promotions que Dieu nous apporte. Certaines personnes ne réussissent pas à gérer ces promotions à cause de problèmes de caractère et ils sont entraînés par certaines mauvaises influences. Lorsqu'il va entrer dans cette position importante de roi, il ne réussit pas à tenir parce qu'il a des mauvaises indications, parce qu'il écoute des mauvaises personnes. Et il y a une clé, une règle ici, c'est que l'important n'est pas d'accomplir la volonté de Dieu au prix de notre désobéissance. Parce qu'en réalité, en agissant ainsi, la Bible déclare que la tournure que prenaient les événements venait de Dieu. Dieu avait prévu que Roboam puisse donner cette parole afin que le peuple se détourne de lui comme il avait été prophétisé à Salomon. En fait, Salomon a péché et Dieu lui avait dit « Voilà ton fils, il va tout perdre, il ne lui restera qu'une tribu, le royaume sera divisé, Roboam et Jéroboam. » Et cette parole s'est accomplie ici. Roboam donc a accompli, sans le savoir, la parole de Dieu. Et parfois, c'est vrai, on peut accomplir la parole de Dieu, mais on n'accomplit pas la parole de Dieu n'importe comment. Dieu a pu dire à quelqu'un, par exemple, de financer une organisation. Maintenant, cette personne commence à agir avec du compromis, à faire n'importe quoi, à s'éloigner des lois de Dieu et des lois gouvernementales. Et cette personne réussit à financer ce que le Seigneur lui avait dit de financer. L'important, ce n'est pas seulement d'accomplir la parole de Dieu, mais c'est de l'accomplir avec succès selon les indications que Dieu nous donne. Donc, on doit accomplir la volonté de Dieu en toute obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une troisième personne, et vous allez de plus en plus comprendre, Jéroboam. Lui, comme Roboam, c'est une chute rapide. La Bible en parle au chapitre 12 et au verset 26. Il est écrit, Jéroboam, donc c'est lui finalement qui avait réussi à prendre les autres tribus. Roboam n'en avait plus qu'une seule. Il est écrit, Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm et il y habita. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit deux veaux d'or et dit au peuple, « Vous êtes assez monté à Jérusalem, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il va reproduire ce que Aaron avait fait avec les veaux d'or. Ici, c'est donc un nouvel exemple, un homme qui, après avoir pris conseil, va faire quelque chose de mauvais. Lui, ce qui l'a attiré, ce n'est pas la débauche, c'est la peur. Cet homme a été mis dans une position importante de roi, Jéroboam. Et cet homme, ce n'est pas qu'il n'a pas su gérer la promotion, c'est qu'il n'a pas su gérer la position. On le met dans une position et sa position lui fait peur. Il commence à faire des fortifications, puisqu'en fait, lorsqu'il est dit qu'il a bâti la ville de Sichem, elle était déjà là. Mais il a commencé à fortifier cette ville. En fait, il vivait dans la peur. Et c'est ce qui l'a amené à créer, à faire, à fabriquer ces deux veaux d'or. Parce qu'en fait, il s'est dit, si les gens vont là-bas pour aller adorer Dieu, ils vont se rapprocher de Roboam.
Alors que si je leur fais moi-même des veaux d'or, ils vont rester ici. Sa peur l'a amené à désobéir à la parole que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas su gérer la position. Il a eu peur. Et il y a certaines positions divines qu'on n'arrive pas à gérer par la peur. Dieu nous y place en réponse à une parole spécifique, mais on passe à côté. Dieu peut t'appeler à faire quelque chose, Dieu peut t'appeler à faire un projet, et il y a une parole spécifique que tu as reçue. Maintenant, la peur peut t'envahir au point de mépriser ou de désobéir à la parole que Dieu t'avait donnée. Et il est important d'obéir aux paroles spécifiques de Dieu. Il y a David qui est là devant le peuple d'Israël et devant Goliath. Il reçoit quelque chose dans son esprit. Il a la parole, lui qui est là, générale de Dieu, mais cette parole devient comme révélée dans son cœur. On ne sait pas pourquoi, mais son attitude est différente. Pourquoi ? Parce qu'il avait médité sur la puissance de Dieu. Il avait reçu des révélations de la toute-puissance de Dieu, et face à cette révélation, revêtu d'autorité, pour lui c'est inimaginable que Goliath, un seul homme, puisse battre, réussir à vaincre tout le peuple d'Israël qui était censé marcher avec Dieu. À cause de la révélation qu'il a, on sait qu'il va vaincre Goliath, parce qu'il n'était pas dans la peur. On ne devrait pas avoir peur de perdre la position que Dieu nous a donnée. Si Dieu vous a donné une position suite à une parole spécifique, vous ne devriez pas avoir peur de perdre cette position. Il écrit au verset 5, un peu plus loin. Dans chapitre 13, l'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. On va revenir sur ce passage après, mais ici, ça nous montre quelque chose. Premièrement, c'est la parole de Dieu qui nous est apportée. Le signe vient ensuite. Il y a beaucoup de gens qui sont dirigés par des signes. Beaucoup de gens sont dirigés par des circonstances. Comme je l'ai dit, Dieu ne nous parle pas par les circonstances. Ce qui doit nous diriger, c'est la parole de Dieu. Par contre, lorsque Dieu nous donne une parole, les signes vont venir après. Comme ici. On va voir, et on peut y aller d'ailleurs, au chapitre 13, dans 1 Roi, au chapitre 13, au verset 1, la Bible dit « Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Donc on voit Jéroboam a commencé à amener une idolâtrie dans le pays. Le jeune prophète cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. » Il va commencer à prophétiser finalement et à dire ce que tu es en train de faire, Jéroboam, ça va s'écrouler suite à la parole de Dieu. Un peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui donner « Voici le signe que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la poussière va se disperser. » Donc, il y a le jeune homme qui arrive là auprès de Jéroboam et il lui donne une parole spécifique de Dieu que lui-même avait reçue de la part de Dieu. Et il lui dit, il va y avoir un signe qui va se passer pour te montrer que cette parole est vraiment divine. C'est que lorsque je vais te parler, l'autel que tu es en train sur lequel tu es en train de faire ce sacrifice va se couper en deux et toute la cendre va être répandue. Au moment où il le dit, voici que, effectivement, l'autel se coupe en deux, la cendre est dispersée, et au moment où Jéroboam va dire de se saisir de ce jeune prophète, son bras va devenir paralysé tout à coup, et il va commencer à supplier le prophète, le jeune prophète, de prier, d'implorer Dieu que son bras puisse guérir. Qu'est-ce que fait maintenant Jéroboam? Il va dire, après avoir vu la puissance de Dieu, il va dire à ce jeune prophète qui est venu pour lui parler, pour lui dire que ce qu'il faisait, c'était mal. Après avoir vu le signe de Dieu évident, il va dire, maintenant, est-ce que tu peux venir dans ma maison? Je vais te donner à manger. Et après t'avoir donné à manger, je vais aussi te donner un cadeau. Et là, le jeune homme va dire, au verset 8, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain. Tu ne boiras pas d'eau,
et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. » Ici, c'est donc maintenant l'erreur du jeune prophète. On va voir qu'au début, il a vraiment obéi à la parole spécifique de Dieu. Dieu lui avait dit d'aller auprès de Jéroboam. Il lui avait dit de parler de telle façon. Il lui avait dit qu'il y aurait un signe, que l'autel se fendrait et que la cendre serait dispersée. Et le jeune prophète obéit admirablement à la parole de Dieu. Il aurait pu même mourir, mais il obéit à la parole spécifique que Dieu lui avait donnée. Il y avait une autre parole spécifique que Dieu lui avait donnée. Il lui avait dit « Tu t'arrêteras chez personne, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, et quand tu partiras, tu sortiras par un autre chemin par lequel tu es venu. » C'est vraiment spécial parfois. Pourquoi Dieu nous parle de telle façon? Pourquoi Dieu me dit de faire ça? Pourquoi Dieu m'appelle à faire ceci de cette façon-là? Parce que moi j'ai une façon de penser, mais Dieu me demande de faire ceci ou cela. Pourquoi Dieu aurait dû lui demander de ne pas manger chez quelqu'un et surtout de partir par un autre chemin que celui qu'il avait emprunté? Quand Dieu nous donne des indications, aussi bizarres soient-elles, il faut y obéir. Parce que c'est suivi d'une grâce. Donc, devant la tentation de ce roi, d'avoir de l'argent peut-être, des présents, de pouvoir manger, il résiste. Mais la Bible dit au verset 11, « Or, donc après qu'il soit parti par un autre chemin, or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. » Parfois, on obéit à Dieu, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui vient tout casser. Il y avait un vieux prophète ici. Ce vieux prophète a amené ce jeune prophète à mourir, à désobéir à l'indication que Dieu lui avait donnée. Il faut parfois faire attention aux vieux prophètes, parfois faire attention aux influences. Ici, le jeune prophète a su discerner que ce que le roi lui disait, c'était mauvais, c'était pas bon. Mais il savait que ce roi, Jéroboam, ne marchait pas avec Dieu. Donc c'était facile pour lui de conclure que le fait d'aller dans sa maison et d'avoir un cadeau, c'était pas Dieu, c'était pas une faveur divine, c'était pas un cadeau que Dieu lui donnait, parce que ça allait à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. Mais là maintenant, il s'agit d'un vieux prophète. Il s'agit de quelqu'un d'expérience. Et ce vieux prophète va donc aller auprès de lui, le rejoindre sur son chemin, et va lui dire « Viens manger dans ma maison. » Et là, le jeune prophète va révéler à nouveau ce que Dieu lui avait dit. « Voilà ce que Dieu m'a dit, tu ne devras pas t'arrêter, tu ne devras pas manger, tu ne devras manger chez personne, et tu devras partir par un autre chemin. » Et là, le vieux prophète va mentir à ce jeune prophète et va lui dire « Mais voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que je devais t'inviter dans ma maison pour te faire manger. » Après quoi, tu pourrais partir. On ne va pas parler de ce qui a pu animer ce vieux prophète, mais simplement ici déclarer ce qui s'est passé. Au moment où le jeune prophète est en train de manger chez le vieux prophète, vous me suivez? Voici que le Saint-Esprit tombe sur le vieux prophète et qui commence à déclarer au jeune prophète « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. » Parce que tu n'as pas observé son commandement, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, à l'endroit dont il t'avait dit, tu ne mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. La Bible dit qu'après qu'il eut mangé et bu, il va sceller son âne, il va rencontrer un lion, le lion va le déchirer et va le faire mourir. Fin du jeune prophète. Les indications que Dieu nous donne sont tellement puissantes. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'écoutent pas les indications divines. Il y a aussi des gens qui écoutent et qui commencent à écouter les indications divines, mais qui, au bout d'un moment, rencontrent le vieux prophète. Quelqu'un qui peut-être est pris par la jalousie, quelqu'un qui s'est trop laissé entraîner par le péché, parce qu'en fait, et ici on arrive à la faute du vieux prophète, c'est que ce vieux prophète était resté dans une ville où il y avait idolâtrie, il y avait culte à des idoles, et ce vieux prophète n'a pas ouvert la bouche pour parler contre ces choses. Ce vieux prophète est semblable à Lot qui est resté là à Sodome.
Donc, ici, le jeune prophète passe à côté de la volonté de Dieu pour lui, parce qu'au bout d'un moment, il se laisse rouler par quelqu'un. En fait, son problème à ce jeune prophète, c'est que premièrement, il a manqué de conviction. Et deuxièmement, il a manqué de discrétion. Quand Dieu te donne une parole spécifique, je ne parle pas quand on commence à se demander est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé, mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu dois bâtir une conviction sur la parole que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois être convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Aucun homme, aussi, avec autant d'expérience qu'il est, aussi puissant soit-il, aussi riche soit-il, aussi important soit-il, aucun pasteur, même si c'est pour toi le plus grand des pasteurs, si ça existe, ne peut aller au contraire, à l'opposé de l'indication personnelle que Dieu t'a donnée et révélée dans ton esprit. Car même si quelqu'un venait, et on va parler de ça après, te donner une parole spécifique qui va à l'opposé de ce que Dieu t'a donné, si vraiment Dieu avait changé d'avis, mais on sait que Dieu ne change pas d'avis, alors ton esprit devrait recevoir un témoignage par le Saint-Esprit que cette parole vient de Dieu. Peut-être que ce jeune homme s'est dit, c'est peut-être pour moi l'occasion d'avoir une bonne connexion. Un vieux prophète, c'est un prophète d'expérience, je devrais peut-être aller manger chez lui. Peut-être il a commencé à douter. Et ça l'a amené là. Il a manqué de discrétion. Les gens, en fait, n'avaient pas besoin de savoir ce que Dieu lui avait dit. Les gens n'avaient pas besoin de savoir que Dieu lui avait dit, tu n'iras manger chez personne, tu n'iras boire chez personne. Pourquoi ? Parce qu'il a touché à la clé, comme Samson. À partir du moment où Samson a dit, voilà, ma puissance vient de mes cheveux, il a donné la clé. C'était fini. Et ici, ce jeune prophète a donné la clé. Voilà ce que Dieu m'a dit. C'est sur cette parole que le vieux prophète a pu se baser pour le tromper, pour mentir, pour tricher. S'il n'avait pas eu cette parole, s'il n'avait pas manqué de discrétion, il n'aurait pas réussi à le convaincre. Mais il a montré ses armes. Comme ce qu'il s'est passé dans le jardin d'Éden. Le fruit dans le jardin. Le diable vient, il se déguise, et il dit, mais vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Et là, Ève va commencer à discuter avec lui. Elle va dire, si, on peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, le diable va commencer à parler avec elle, et va lui dire, mais non, mais ce n'est pas vrai du tout. Sache que le jour où tu vas commencer à en manger, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme Dieu, et tu sauras discerner le mal et le bien. C'est une chose quand les gens viennent nous parler et nous amener, ils essaient de nous amener à l'opposé. Donc ici, il y avait les femmes qui étaient là et qui ont amené Salomon à l'opposé de la parole de Dieu. C'est une chose que les gens nous parlent, des choses qui sont contraires à nos convictions, quand ces gens ne marchent pas avec Dieu. C'est une autre chose quand un ami, un frère dans l'église, quelqu'un, un pasteur, un ministère, te dit quelque chose qui est contraire à ce que tu as reçu. Parce que c'est censé être quelqu'un de spirituel. C'est censé être quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est censé être quelqu'un qui est en accord avec ton esprit. C'est pourquoi l'apôtre déclarait, si même un ange venait vous enseigner un autre évangile, quelque chose qui est contraire à ce que nous vous avons enseigné, ou un homme, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Problème du vieux prophète, du jeune prophète, manque de conviction, manque de discrétion, il a donné les clés et il s'est fait voler. Le vieux prophète, lui, quand Jéroboam va commencer à faire tout ce culte, la Bible dit que Jéroboam, par sa propre initiative, en fait, il va créer un clone de ce qui se passait selon le cœur de Dieu, il va créer une copie. Il va dire, voilà, le peuple adore de telle façon, ils ont des sacrificateurs, ils ont des autels, ils font ceci et cela. Moi, je vais faire la même chose, mais avec des veaux d'or. La copie, le diable qui se déguise. Il y a des déguisements, il y a des choses qui se passent où les gens essaient de se déguiser. Donc, le culte arrive, le mauvais culte, et le vieux prophète, qui, normalement, le prophète était censé être une sentinelle, il est entraîné par la majorité.
la majorité du peuple, eh bien, ils vont commencer à s'adonner à l'idolâtrie. Et le vieux prophète est entraîné par la majorité. Il est possible que Dieu te donne une parole spécifique et tout le monde est contre toi. Je me souviens au début, ça s'est passé avec Enseigne-moi, où toutes les personnes chrétiennes autour de nous nous ont découragés, personnellement. Les deux seules personnes qui nous ont encouragés étaient des non-croyants. Ils ont certainement déposé une semence parce que ces deux personnes qui ne se connaissaient pas ont été sauvées quelques années plus tard. Quand Dieu te donne une parole spécifique, même si le ciel s'ouvrait, même si un ange venait t'amener à l'opposé de cette parole, n'écoute pas. Écoute ce que le Saint-Esprit te révèle dans ton esprit. Quand quelqu'un nous parle, écoutons notre esprit. Le problème de ce vieux prophète, alors que Dieu lui avait parlé, alors que Dieu avait dit d'ailleurs, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'était une parole spécifique que Dieu donne. Et il va mentir à ce jeune prophète. Il va manquer de loyauté. Il va chuter tardivement. Quand cet homme, ce vieux prophète, a dû s'affirmer dans la parole de l'Éternel, en opposition au choix de tous, en opposition au choix de Jéroboam, il ne va pas le faire. En fait, il n'a pas su gérer les paroles contraires de ce qu'il avait reçu à la pensée populaire. Certaines personnes, on l'a dit, ils ne savent pas gérer les temps de repos. Certaines personnes ne savent pas gérer la position. Certaines personnes ne savent pas gérer la promotion. Certaines personnes, comme le jeune prophète, ils ne savent pas gérer les paroles contraires qui viennent de la part d'une personne, ici en l'occurrence un serviteur de Dieu, un homme d'onction. Certaines personnes, comme le vieux prophète, quand ils ont reçu l'indication de la part de Dieu, ils ne savent pas gérer les paroles contraires de la majorité, de la pensée populaire. Alors ils vont à l'opposé de ce que Dieu leur a dit. Peu importe le nombre de personnes qui vous conseillent à faire le contraire de ce que Dieu vous a dit, vous devez obéir à sa parole. Maintenant, que faire si on vous donne une parole contraire donc à celle que vous avez reçue? Parce que ce jeune prophète, il a pu se dire au bout d'un moment... Ça se trouve, Dieu lui a parlé. Peut-être que Dieu lui a dit effectivement que j'avais le droit d'aller manger chez lui, qu'il devait m'accueillir. Et c'est ce qu'il s'est dit puisqu'il y a été. Des fois, quand Dieu nous amène quelque part, nous dit d'aller à droite, et d'ailleurs Anthony l'a dit dans la prière, avant que les chants commencent ce matin, qu'il y a quelqu'un qui allait tout droit alors que Dieu lui avait dit d'aller à droite. Il y a des indications comme ça que Dieu nous donne. Et on peut se poser la question, quand on a reçu une indication de Dieu et que quelqu'un vient nous dire le contraire, mais peut-être que Dieu lui a parlé. C'est pourquoi on doit créer des convictions divines dans nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on entend une parole contraire à ce qu'on a reçu? Ça peut être pour un projet, ça peut être pour un appel, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour une petite chose de notre vie, pour beaucoup de choses. Première règle, posons-nous la question, qui me parle? Qui me dit cette chose-là? Quel est le témoignage de cette personne? Paul va à un moment parler d'un homme qui s'appelle Démétrius. Il va dire, Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage et la vérité elle-même témoigne de lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à ce que Dieu t'a dit, pose-toi la question, qui est en train de me parler? Est-ce que cette personne est une personne qui marche avec Dieu réellement? Est-ce que c'est une personne qui est soumise à Dieu ou pas? Ça vous évitera d'écouter des faux prophètes. Ça vous évitera d'aller comme certaines personnes sur des sites internet dont le ministère est celui de la critique. Et vous serez amené dans la confusion, parce que vous ne vous posez pas la question « qui est en train de me parler ?» Ce n'est pas parce que dans un texte ou dans un message, on entend Dieu et Jésus, que l'inspiration est divine. Il faut savoir discerner les cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fera discerner les cœurs, parce que vous savez, le diable rôde. Comme un lion rugissant, il cherche des proies. Et il utilise des hommes pour nous égarer loin de la vérité.
Et j'ai vu des gens être égarés, loin de la vérité, parce que quelqu'un va commencer à leur prêcher une doctrine, souvent en opposition à ce que leur pasteur va enseigner. Et ces personnes s'éloignent du cadre que Dieu leur a donné. Et les gens arrivent dans la confusion. La confusion, c'est exactement ce que fait la parole contraire à Dieu. Ça te met dans la confusion, d'ailleurs comme les circonstances. Les disciples sont dans la barque, la tempête arrive, confusion. Pourtant, Jésus nous a dit d'aller de l'autre côté. Les circonstances créent la confusion. Les paroles inspirées par Satan créent la confusion. J'ai voulu taper sur dans mes mails, mes courriels, comme on dit ici, le mot « confusion ». Parce que je sais que tous les gens de souvenirs qui m'écrivent en utilisant le mot « confusion » sont des gens qui ont commencé à écouter une voix qui était contraire à ce qu'ils avaient reçu. Des faux prophètes. Et je suis retombé sur un message qu'une personne m'a envoyé il y a quelque temps. Et cette personne me dit « Voici les enseignements que j'ai écoutés dernièrement, donc sur Internet. Je dois tous les jours demander pardon à Dieu pour les péchés de sorcellerie, de satanisme, d'occultisme, de mes ancêtres générationnels, de tous les péchés de mon passé. Je dois invoquer chaque jour le sang de Jésus pour me purifier et me sanctifier. Je dois chaque jour chercher la racine et la source de mes péchés et invoquer le sang de Jésus pour être totalement libre. Si je ne le fais pas, cela entame mon salut, je risque de ne pas être sauvé ni être enlevé. Pouvez-vous me répondre à ce sujet avec des références bibliques ? Voilà une personne qui est dans la confusion. Bien sûr, on décèle rapidement qu'elle est enseignée par une fausse prophétesse ou un faux prophète. Et voilà ce qu'elle me dit de cette personne. Elle dit, voilà, je veux vous partager pourquoi je suis troublé dans mon cœur. C'est que cette personne qui prêche cela est très connue dans le ministère. Elle vit dans une vie de consécration totale et de sanctification. Elle connaît la parole de Dieu, elle jeûne 3 mois, se met à part pour Dieu loin de sa famille. Elle porte des robes longues et ne se dénude jamais ses bras. Elle ne porte jamais de pantalon et dit que c'est diabolique. Elle dort par terre sur le sol pour être plus proche de Jésus dans l'humilité. Et elle donne ce message parce que Dieu lui a dit que sinon, il la frapperait de mort. Car elle a été ressuscitée par Jésus et elle le témoigne. Tout cela, je ne le fais pas, j'en suis incapable, d'où mes interrogations. Peut-elle plus entendre la voix du Saint-Esprit que moi parce qu'elle est plus consacrée ? Voilà l'exemple d'un vieux prophète. Et vraiment, on ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui ont été comme ça par une parole qui a été donnée d'un homme. Parfois des gens puissants, ils ont de l'argent, on pense que parce qu'ils ont de l'argent, ils sont inspirés par Dieu, pas du tout. Parfois par quelqu'un qui est invité dans notre église et qui peut-être peut nous voir, gloire à Dieu pour notre église locale, parce que sérieusement, je n'ai jamais vu d'invité bizarre. Par contre, j'en ai entendu des histoires, et des histoires vraiment graves. Gloire à Dieu, vous pouvez remercier le Seigneur pour la bonne bergerie dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes. Vraiment, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Il y a des gens qui tombent malades à cause de faux enseignements, qui meurent prématurément. Il y a des choses terribles, qui perdent leur famille, leur foyer, leur couple, parce qu'il y a un vieux prophète quelque part. Donc, première question, quand quelqu'un vous donne une parole contraire à ce que vous avez reçu, posez-vous la question, qui me parle ? Quel est le témoignage de cette personne ? Je ne veux pas recevoir une parole de quelqu'un dont j'ai un doute sur son témoignage. Je n'écoute pas cette parole. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, entre autres un homme, on sait c'est Kenneth Hagin, il dit qu'à un moment, il allait dans toutes les réunions où il allait, quelqu'un se levait dans l'église et disait « Mon frère Kenneth Hagin, le Seigneur t'appelle à faire des chapiteaux. » Ce n'était pas ce qu'il avait reçu. Mais partout où il allait, il y avait quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'était la mode. Et il y avait des gens qui se basaient sur la mode pour, voilà, inspirer par peut-être un désir, je ne sais pas. Tous les gens venaient lui dire ça, mais ce n'était pas ce qu'il avait reçu dans son cœur. Ce que vous avez reçu dans vos cœurs, ce que Dieu vous a révélé par l'Esprit. Il n'y a rien qui vaut ce que vous avez reçu dans votre cœur. Quand vous savez que Dieu vous a parlé, quand c'est en accord avec la parole écrite de Dieu, rien. Il n'y a rien comme ça. Deuxième règle, posez-vous la question, est-ce que cette personne me flatte ? Proverbe nous dit, au chapitre 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » De nombreuses prophéties sont données, ce sont des prophéties qui flattent les gens. Tu vas devenir riche, fais une énorme offrande, et après ton offrande, tu vas devenir quelqu'un de puissant.
Je vois que tu es quelqu'un de très spécial, très particulier, il n'y a personne qui soit comme toi. Beaucoup de fausses prophéties sont données par flatterie. Posez-vous la question, est-ce que cette personne me flatte ? On parle dans l'église locale, mais on parle aussi dans le monde. Tu es là, tu marches avec le Seigneur, tu es un jeune homme ou une jeune femme, tu cherches quelqu'un, tu veux te marier, et il y a quelqu'un dans le monde qui commence à te flatter. Et finalement, cette personne te prend et te voilà loin de Dieu, parce que tu t'es fait avoir par la flatterie. Troisième question, la règle des trois questions, on la trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Trois choses que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul va parler ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. » Au verset 6, « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Alors, vous pouvez vous poser trois questions. Quand des gens viennent à vous, vous donner une parole contraire à ce que vous avez reçu, il dit « Notre prédication ne repose pas sur l'erreur, premièrement. Suis-je dans l'erreur ? Est-ce que je me suis trompé ? Qu'est-ce que vont faire les gens de Béré dans le Nouveau Testament quand l'apôtre Paul et Silas vont commencer à leur prêcher l'Évangile ? Dans Actes chapitre 17, la Bible dit que ces gens, ils vont commencer à recevoir la parole, oui, mais ils vont aussi examiner chaque jour ce qu'on leur disait pour voir si c'était exact. Suis-je dans l'erreur ? Si tu arrives à un point de confusion, tu ne sais plus, médite la parole. Est-ce que ce que j'entends, c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que finalement, c'est moi qui me suis trompé au départ ? Peut-être que je suis en train d'aller là, mais ce que je fais, c'est faux. Je me trompe. Et ça arrive parfois. Parfois, on a pu se tromper, croire que c'était Dieu qui nous a parlé. Et là, il y a des gens qui sont inspirés par Dieu, vraiment, qui vont nous dire, c'est pas vrai ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas le temps, peut-être. Et là, devant Dieu, devant sa parole, tu vas commencer à prier, Seigneur, est-ce que je suis dans l'erreur ? Est-ce que je me trompe ? Et le Saint-Esprit va révéler dans ton cœur que peut-être, oui, tu te trompes. Ou au contraire, il va confirmer ce que tu as reçu. Parce qu'il est bon. Il dit, ni sur des motifs impurs. Pose-toi la question, est-ce que c'est parce que j'ai des mauvaises motivations que je veux accomplir cette parole ? Parce que certaines personnes pensent avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, alors qu'en réalité, ce sont les convoitises qu'ils ont reçues. Donc, ils doivent se poser une question. Est-ce que je convoite quelque chose ? Quelqu'un dira, par exemple, dans l'église, « Moi, Dieu m'a appelé à prêcher, alors que Dieu ne l'a pas appelé. » Parce qu'il a une convoitise. Il veut prendre la place d'un autre. Ou quelqu'un dira, « Moi, Dieu m'a appelé à être un homme d'affaires, parce qu'il a une convoitise, il veut être riche. » Dieu ne lui a pas parlé. Cette personne... alors que quelqu'un vient lui dire « Je ne crois pas que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. » Devrait se poser la question « Est-ce que je pense avoir reçu de Dieu, que Dieu m'appelait à être un homme d'affaires ? Est-ce que finalement, je crois ça parce que j'ai des convoitises en moi ? Est-ce que c'est parce que je veux être riche ?» C'est une deuxième question qu'on peut se poser. Ai-je des mauvaises motivations ? La Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et animé, entraîné par ses propres désirs. Sa convoitise. Troisièmement, une fraude. Ils disent, notre prédication n'est pas appuyée sur une fraude. On peut se poser la question, est-ce que je veux tromper les gens avec cette parole ? Est-ce que je veux tromper les gens ? Finalement, ces trois questions et les deux règles d'avant se résument, est-ce que je veux accomplir cette parole pour obéir à Dieu, pour la gloire de Dieu ou pour la mienne ? Se poser cette question, ça va nous aider à voir si réellement on a entendu la voix de Dieu et si les paroles contraires qu'on entend viennent de Dieu ou pas. Se poser la question, est-ce que je veux faire cette chose-là parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que c'est parce que Dieu m'a parlé et que je veux faire cette chose parce que je veux le glorifier ? Est-ce que je veux faire cette chose pour obéir à Dieu ou pour moi-même ? Par contre, si on reconnaît donc qu'on nous donne une parole qui nous encourage à désobéir à celle qu'on a reçue. La grande clé, c'est de refuser de chercher à plaire aux hommes et d'avoir peur d'eux. Et en fait, c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Il y a plusieurs semaines, c'était au mois de juin et de juillet, et Dieu m'a reparlé de cela il y a quelques semaines, ici dans ce lieu, les deux fois. Il m'a dit,
tu vas donner un message sur les paroles spécifiques que je donne, mais qui ne sont pas accomplies par peur des hommes. En réalité, dans toutes ces choses, le problème, c'est la crainte des hommes. C'est que quelque part, la parole de l'homme a plus d'importance que celle de Dieu. Que ce soit la parole des gens ou la mienne, avec mes convoitises, par exemple Salomon, c'est que la parole de l'homme a plus d'importance que celle de Dieu. C'est ce que j'ai dit avec l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un même nous, il dit, ou un ange du ciel vous annonçait un message différent, donc ça veut dire une autre parole que celle que vous avez reçue, de celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit maudit. Et là, il dit, qu'en pensez-vous? Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Et là, il dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà un homme qui pense selon Dieu. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu? Est-ce que je crains les hommes plus que Dieu? On devrait avoir une crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce qui nous rend sages dans la vie, ce qui va nous éviter des erreurs, c'est la crainte de Dieu, vouloir vivre pour lui, vouloir accomplir sa parole, vouloir faire ce qu'il nous dit de faire. La crainte de Dieu. Gwen, tu peux venir, s'il te plaît. Dans Jean, au chapitre 12, la Bible dit « Cependant, parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Voilà des gens qui ont cru en Jésus, mais parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes, parce qu'ils ont eu peur des gens, parce qu'ils ont eu peur d'être exclus de ceux qui étaient censés marcher avec Dieu, ils n'ont jamais confessé Jésus-Christ. Ils n'ont pas suivi le Seigneur Jésus. L'apôtre dira, « Le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme ?» Une des clés dans la vie et dans ma vie, ça a été de suivre les indications du Saint-Esprit. Ces indications sont puissantes. Même lorsque quelqu'un, alors que Dieu a pu nous parler, pour enseigne-moi, même si tous avaient l'air de dire le contraire, parfois, on a continué parce qu'on ne cherchait pas la faveur des hommes, on cherchait la faveur de Dieu. Parfois, on devra prendre des choix dans nos vies où il y aura des gens dans l'Église ou alors il y aura des gens dans le monde qui nous pousseront, qui nous entraîneront à aller à l'opposé de ce que Dieu nous a dit. Est-ce qu'on va chercher à plaire aux hommes pour un moment, la jouissance éphémère du péché, ou est-ce qu'on va chercher à plaire à Dieu? Qui craignons-nous réellement? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire dans ta vie à cause du regard des autres? Est-ce que Dieu t'a parlé concernant un projet, mais les autres pensent que tu te trompes, ou que tu n'es pas assez bien? Et à cause de leurs paroles, tu attends sans rien faire. Est-ce que Dieu peut-être t'a appelé à annoncer l'évangile à quelqu'un, mais t'as peur? C'est la crainte des hommes. Est-ce que Dieu t'a parlé de créer quelque chose, d'écrire un livre, de faire quelque chose? Peut-être même quelque chose qui n'a jamais été fait. Et tu as peur de ce que les gens vont penser. Aujourd'hui, pour toi, c'est un moment important pour obéir aux paroles spécifiques que Dieu veut te donner. Tout à l'heure, mon frère en rendant témoignage, comment Dieu lui a parlé spécifiquement, il a obéi. Ils sont entrés, lui et sa famille, dans une nouvelle mesure de grâce et de bénédiction. Il a un appel dans sa vie pour le ministère et il s'est mis en accord avec cela. Et il y a une grâce qui va en découler. La Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'alors qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Il y a ici plusieurs personnes qui sont appelées au ministère de la parole. Ce sont des décisions, des paroles spécifiques que Dieu leur a données. Il faut qu'ils agissent en conformité à ce que Dieu leur a dit. Quand nous agissons en conformité à ce que Dieu nous a dit, nous entrons dans le succès. Nous avons l'approbation divine. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes dans le succès selon Dieu, même si, comme Noé, nous nous retrouvons seuls au monde, ou presque.
dans une arche, à construire une arche stupide aux yeux des gens. Si Dieu a parlé spécifiquement, on doit lui obéir. Quand Dieu te dit de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, fais-le. Ou peut-être même quand c'est le temps d'arrêter quelque chose pour passer à une nouvelle saison, tu dois arrêter cette chose, même si elle est spirituelle. Il y a quelque temps, alors que je m'occupais de la famille des évangélistes, j'ai su que ce n'est plus le temps. Et si j'avais continué, je serais passé à côté d'une grâce. Mais il y avait une nouvelle grâce, entre autres pour José. C'était plus mon temps. Des fois, on force, mais c'est plus le temps. La grâce n'est plus là. Et là, je parle suite à une parole révélée de Dieu. Pas par paresse ou parce qu'on en a marre. Parfois, Dieu nous demande de poser des actions spirituelles. J'ai parlé du fait de se mettre à genoux. Vous savez, c'est tellement puissant. Je suis convaincu que Dieu a parlé à des millions de chrétiens dans les cultes d'adoration. Et à un moment, ils sentaient quelque chose en eux qui leur disait de se mettre à genoux, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur des gens. Je me souviens quand ça s'est passé dans ma vie, les premières fois. Et la grâce qui s'en est suivie, d'entrer dans la liberté que Dieu voulait me donner. Il y a des gens, des églises entières, ils ont peur de lever les mains vers le Seigneur. Comment on peut adorer Dieu alors que Dieu nous dit de faire quelque chose et on ne le fait pas? Des fois, c'est au prédicateur, Dieu lui dit de prêcher un autre message. Des fois, c'est le chantre, Dieu lui dit de faire un chant inspiré, mais il résiste. Des fois, c'est le pianiste, il a une soudaine inspiration, mais il ne le fait pas. Je veux accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. On peut prendre un temps de prière. Puissant Saint-Esprit. C'est un temps important. Très important. Et là où vous êtes, je voudrais vous encourager à dire au Seigneur, je veux obéir aux paroles spécifiques que tu m'as données dans le passé et celles que tu vas me donner dans le futur. Et je te demande pardon si je n'ai pas obéi aux paroles que tu m'as données. Je veux accomplir la parole de Dieu. Je ne veux pas faire quelque chose qui ressemble à ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas croire quelque chose qui ressemble à la parole de Dieu, à une imitation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne ferai pas quelque chose qui est contraire à la parole que j'ai reçue de la part de Dieu pour plaire aux hommes. Mais j'obéirai au Seigneur, car c'est devant lui que je me tiendrai au dernier jour. Père, je te remercie pour ta parole et je te glorifie. Je te remercie pour les paroles spécifiques que tu donnes à ton peuple. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et on veut agir par amour dans les paroles que tu nous donnes. L'amour est serviable et nous voulons être des serviteurs, être envahis par l'amour. Merci parce qu'il y a une grâce derrière l'obéissance. Glorieux Jésus-Christ. Parce que plusieurs personnes, vous avez des choix à faire. Dieu vous a parlé, vous allez à l'opposé de la volonté de Dieu, peut-être par des incroyants, peut-être aussi des gens de votre famille qui ne comprennent pas ce que vous avez reçu. Et maintenant, c'est un temps de consécration. Plusieurs, vous résistez. Il y a un appel sur vous, pas pour le ministère de la parole, mais pour faire quelque chose. Et vous résistez. Certaines personnes, vous résistez quand Dieu vous demande de donner du temps, de visiter quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de faire une offrande, d'offrir un cadeau, d'inviter une famille, quelqu'un à la maison pour manger. C'est une parole spécifique. Et il y a une grâce qui est derrière. Et là où vous êtes, je voudrais vous encourager à vous consacrer à Dieu. Commencez à lui parler maintenant. C'est entre vous et lui. Ne me fais pas.
Commence à te consacrer maintenant là où tu es. Plusieurs, vous devez abandonner des choses. Abandonnez-les maintenant, là où vous vous trouvez. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Plusieurs, oui, vous résistez à un ministère, au ministère de la parole. Vous dites, mais j'aurai pas d'argent. Dieu dit qu'il prendra soin de toi. S'il faut passer en Macédoine, tu iras en Macédoine. S'il faut jeter un morceau de bois dans la rivière, tu jetteras un morceau de bois. S'il ne faut pas aller en Asie, tu n'iras pas en Asie. S'il faut faire quelque chose, prier pour quelqu'un, parler une parole, déclarer quelque chose, tu le feras. Seigneur, je ne résisterai pas à ta parole. Dis-lui, Seigneur, je ne résisterai pas, je ne veux pas résister. Je veux être là où tu es. Je veux croire en ce que tu m'as dit. Je veux croire en tes paroles et ne pas avoir peur de l'homme. Je ne veux plus être complètement envahi par la peur des gens. Je ne veux pas être dirigé par les hommes, mais je veux être dirigé par ton esprit. Ô Esprit de Jésus-Christ, nous nous humilions devant toi et nous nous soumettons à ta voix. Nous nous soumettons à tes directions spécifiques. Saint-Esprit, viens régner dans nos vies. Prends le contrôle de nos journées. Prends le contrôle de nos corps. Prends le contrôle de nos années. Prends le contrôle de nos biens. Prends le contrôle de nos enfants. Prends le contrôle de nos couples. Nous ne voulons pas régner. Nous ne voulons pas dominer. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu domines. C'est toi que nous voulons suivre. Nous ne voulons pas que tout nous suive. Nous voulons te suivre. Nous voulons être dirigés par toi. Nous ne voulons pas être dirigés par nous-mêmes. Nous ne voulons pas créer un faux culte. Seigneur, nous voulons adorer le véritable Dieu. Nous ne voulons pas induire les gens en erreur. Nous voulons parler de ta part. Seigneur, nous voulons manifester les dons de l'Esprit, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Nous voulons obéir, Seigneur, à ta parole. Nous voulons obéir à tes paroles. Oh, parle encore, ton serviteur écoute. Parle encore, Seigneur, nous obéirons. Parle seulement et ton serviteur ira. Consacrez-vous à Dieu, frères et sœurs. C'est un temps tellement important. Que le feu de Dieu vienne consumer maintenant l'autel, le sacrifice maintenant. Que tous vos autels disparaissent de vos vies. Glorieux Jésus-Christ, j'appelle des directions divines. Des directions divines maintenant. Commencez à prier dans l'esprit si vous ne savez plus quoi dire. Priez dans l'esprit. Ouvrez-vous à l'esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ton ministère, merci pour ta voix, merci parce que tu es puissant pour nous parler, tu es puissant pour nous diriger, tu es puissant Seigneur pour amener une conviction dans nos cœurs que c'est toi qui parles, tu es puissant pour éloigner les faux prophètes, pour éloigner les fausses indications, pour éloigner les faux enseignements, tu es puissant. Ô Esprit Tababaya Sote. Ikrimai brasto torobo e babandiri abasso telebaiko. I frosse bebendo roboria celebrebroia. J'obéirai à ta voix, Seigneur. Non pas à la voix d'un homme. Non pas à la voix d'une divinité. Non pas à la voix du mensonge. Non pas à la voix d'un vieux prophète qui ne marche plus avec toi, qui aurait dû quitter l'endroit où il se trouvait, où dénoncer les péchés des gens, et qui à la place s'est endormi. Je ne veux pas m'endormir dans le péché, loin de toi. Je ne veux pas m'endormir dans la désobéissance, dans la résistance. Je veux t'obéir. Je ne veux pas être comme Saül, qui est passé à côté, à cause du peuple. Je ne veux pas être comme Aaron qui, pressé par le peuple, a fait un veau d'or. Je ne veux pas être comme Ève qui, ayant reçu une parole contraire à ce qu'elle avait reçu, a commencé à douter et est tombée.
Je ne veux pas être comme Adam qui, pour plaire à sa femme, a écouté sa parole et a écouté sa voix. Je ne veux pas être comme Pierre lorsqu'il s'est caché devant les croyants qui le visitaient, alors qu'il était jusque-là ami des païens et qu'il avait reçu une parole spécifique que rien n'était impur. Père, je veux obéir aux paroles spécifiques que tu me donnes. Qu'elles soient ponctuelles, qu'elles soient durables, qu'elles prennent un peu de temps ou qu'elles prennent peut-être du temps précieux que j'ai, je veux le faire. Dites au Seigneur, je veux le faire. Même si ça prend du temps, je veux le faire. Même si ça prend de l'argent, je veux le faire. Même si ça prend de mes forces physiques, je veux le faire. Même si plusieurs hommes et femmes se lèvent contre moi à cause de cela, je veux le faire. Même si la persécution arrive contre moi, l'opposition se dresse contre moi, je veux le faire. Si tu me dis de ne pas manger, de ne pas boire, je veux le faire. Si tu me dis d'aller par un autre chemin que celui que j'ai emprunté jusque-là, je veux le faire. Je veux accomplir ta parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je n'écouterai pas la voix de l'étranger, mais que j'écouterai la voix du bon berger. Je ne serai pas dirigé par les hommes, aussi bons soient-ils. J'écouterai les conseils, mais je les passerai au feu de la parole. Père, merci. Je veux maintenant proclamer au nom de Jésus-Christ des nouvelles indications du Saint-Esprit. Je prophétise maintenant des visions et des songes, des indications spécifiques que le Saint-Esprit va vous donner dans votre vie personnelle. C'est pourquoi écoutez sa voix, car le Saint-Esprit va vous rappeler des choses qu'il vous a dites, des paroles spécifiques, mais il va aussi vous parler concernant des choses à faire pour lui. Et il faudra obéir. Et dit, écris la vision. Garde-la dans ton cœur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous encourage à continuer à la maison, à vous consacrer au Seigneur. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas écouter les conseils des gens, bien sûr, puisque la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Mais le principe, c'est si j'entends quelque chose qui est contraire à ce que j'ai reçu, c'est la parole de Dieu qui prédomine. C'est ce que j'ai reçu dans mon esprit qui est en accord avec cette parole. Gloire à Jésus-Christ. Glorieux Jésus.